comme une foudre, la nouvelle de la mort de l'archevêque émérite Laurent Mosengo Passigna, dimanche 11 juillet 2021, après avoir été évacué à Nantes en France pour de soins appropriés. Devenu célèbre après sa participation très remarquée aux travaux de la Conférence nationale souveraine en 1991, le prélat catholique est resté le pilier de la démocratisation de la RDC. Que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RDC. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple? Pour Laurent Batumona, le peuple congolais vient de perdre l'un de ses plus grands défenseurs. Et c'est une perte énorme en tant que grand baobab de notre pays, en tant que panafricaniste et en tant qu'avocat du peuple. D'abord, en tant que prélat, c'est son éthique, la moralisation de la société congolaise. Il pensait qu'il y avait beaucoup de gaspillage de données publiques. Il rappelait de temps en temps à l'ordre des politiques. La phrase la plus célèbre est que les médiocres puissent dégager. Il plaidait à ce que le bien-être du peuple congolais puisse évoluer positivement en tant que prélat. Il s'est plaint du gaspillage des ressources nationales. La prédation au sommet du pays, des régionalismes qu'il combattait. Et enfin, il disait que le Congo, c'est un grenier qui peut nourrir l'Afrique entière et pourquoi pas le monde. Créé cardinal en 2010, Laurent Mosengo Passigna devient en 2013 l'un des 8 conseillers du pape François. Alors président de la Conférence épiscopale nationale du Congo en 1980, Norbert Yambayamba garde l'image d'un leader transformationnel très déterminé et très engagé face à la dictature mobutienne. Monseigneur Mosengo fait partie véritablement d'une catégorie de personnes, j'allais dire de personnages de notre pays, qui sont dans la caste des ovnis, des extraterrestres, des personnes réincarnées, des hommes et des femmes exceptionnels, qui n'arrivent que pour une génération. Et ils s'en vont, parce qu'ils viennent justement avec des messages. Non! Le cardinal a été pour nous une unité de mesure, un modèle référentiel. L'homme qui faisait à l'écouter, à le regarder, à le voir faire, un démenti formel à tous ceux qui croient que le Congolais ne peut pas véritablement avoir des qualités exceptionnelles. Et Mosengo faisait partie des clergés catholiques qui ont pris véritablement ce courage pour défier pratiquement le pouvoir de l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko. Mais il fallait entendre. Les années 80 et le début des années 90 avec le déclenchement du processus de démocratisation pour qu'il s'assume davantage en tant que président de la conférence épiscopale. Et donc, le nom du cardinal, à l'époque monseigneur, devenait comme du petit pain. Tout le monde voulait en parler, tout le monde voulait toucher, tout le monde voulait goûter. Simplement parce qu'il avait du courage exceptionnel, un leadership très très transformationnel, et de propositions très alléchantes, et très engagées, très déterminées, avec une attitude du lion. Laurent Passigna, Mosengo, mérite véritablement être parmi nos héros, ceux qui feront la fierté de notre société. Unir la volonté du peuple
n'est pas synonyme de réaliser la somme des intérêts particuliers. C'est un travail qui suppose qu'on les évalue et qu'on les harmonise en fonction d'une hiérarchie des valeurs équilibrée. Car sans ces valeurs, le système politique qui se dirait démocratique serait en réalité un totalitarisme sournois. L'Église catholique congolaise, elle, reconnaît en lui une autorité morale majeure, un homme mesuré, ayant toujours à ramener les gens à l'essentiel, estime le cardinal Fridolin Ambongo. Le cardinal Laurent Mosengo est une autorité morale majeure. Même s'il n'était plus archevêque métropolitain de Kinshasa, il représentait et il était cette autorité morale vers qui beaucoup de gens allaient encore. Tout le monde se souvient de lui pendant la conférence nationale souveraine, avec son calme, son tempérament très pondéré, tranquille, même au milieu des tensions politiques qu'il y avait sous Mobutu. Mais il a toujours été un homme mesuré qui essayait de ramener les gens à l'essentiel. Et je crois que toute sa vie, ça a été comme ça. Il a essayé de rassembler, de faire raisonner les gens au lieu de s'accrocher à des intérêts partisans et ramener les politiciens, la classe politique, à s'élever au niveau des valeurs supérieures. Et même au Saint-Siège, les papes reconnaissent la perte d'une grande figure de l'Église catholique congolaise, mais aussi universelle. Dans la classe politique, les présidents Félix Tshisekedi saluent un prince de l'Église et ont toujours servi son peuple. Jean-Pierre Bemba, lui, garde le souvenir d'un homme altruiste et dévoué pour l'Église catholique du Congo. Un berger courageux, attaché à cultiver l'amour entre tous les Congolais, témoigne Moïse Katumbi. Alors que Martin Fayoulou qualifie le cardinal Laurent Mosengo Pasinya des ciments de la cohésion nationale. Au FCC, par ailleurs, Ferdinand Kambere garde un souvenir récent du cardinal Laurent Mosengo Pasinya lors de la célébration de la messe marquant le 50e anniversaire du président honoraire Joseph Kabila Kabangé le 4 juin dernier. Sans le Seigneur, notre vie Azalaki époque ya Raïs Joseph Kabila Kabangé tango tozoluka soki a ko se représenter te ti toyomo na ba maponami ngana na zui chance ya kozala na messe ya célébrer le 4 juin ya ko célébrer 50 ans ya Raïs Joseph Kabila Kabangé. Je pense que c'était pour nous une messe décisif yako la kisa grandeur d'âme naye ya mutoyo azana rankin nayete rais yep grandeur d'âme naye acteur majeur de la tenue des élections de 2018 avec la célèbre phrase que les médiocres dégagent. Laurent Mosengo Pasinya est un modèle d'engagement et de courage face aux pratiques antidémocratiques, estiment les défenseurs de droits de l'homme Georges Kapiamba. Na ba prise de position na ye apesaki biso ce que je peux appeler au moins l'appétit. Il a provoqué en nous un instinct d'incitation à davantage réclamer la démocratie, système de gestion moderne et la bonne gouvernance. To perdre mutumoko ya mayele et Bélé, Wazaki, source d'inspiration, y a Bisso Nyonso. To perdre, c'est vrai, mais Atikeli Bisso, héritage Zanini, qu'on continue dans le combat pour faire consolider système démocratique, état des droits dans le Bokanabisso.
parce que ce qui est tiki ango tozong c'est sur son bok anabiso na dictature. À la question de savoir si le cardinal Laurent Monsengwo Passigna devrait être décoré héros national et ou père de la démocratie, l'élu de Kikwit, Lumea Dumalegi, pense qu'il faudra garder la personnalité de ces prestigieux clergés qui restent par ailleurs l'une des plus grandes figures de l'Église catholique en RDC. Moi, je crois que c'est mieux qu'on puisse garder de lui l'identité des noms religieux. Il a travaillé toute sa vie pour amener l'évangile à l'autre extrémité de la terre. Donc, qu'on garde de lui principalement un homme dédié, qu'on puisse dénaturer en parlant de la démocratie. C'est d'une façon, ce n'était pas sa mission principale. Sa mission principale, c'était d'amener l'évangile de Christ. Ça, c'est à titre secondaire qu'il a consacré une partie de son temps à aider les peuples à vivre en dehors de la dictature. Il sort de l'Église catholique. Est-ce que l'Église catholique fait des zéros? Parce qu'on ne peut pas faire de lui héros national sans que le Vatican accepte. Je ne vois pas le Vatican faire de Monsengwo héros national ou père de la démocratie. Ce n'est pas tous les ans qu'on trouve le Monsengwo. Il nous faudra plusieurs années pour que nous ayons un autre Monsengwo. Les Congolais, eux, rendent hommage à ce clergé catholique à travers des messes et prières organisées dans différentes paroisses et communautés religieuses. Décédé en France, le corps de l'archevêque émérite Laurent Monsengwo Passigna arrive ce dimanche 18 juillet 2021 à Kinshasa et sera accueilli à la cathédrale Notre-Dame du Congo avant d'être déposé à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph. Dans un communiqué, le secrétaire chancelier de l'archevêché de Kinshasa précise que l'inhumation interviendra le mercredi 21 juillet dans la cathédrale Notre-Dame du Congo aux côtés de ses prédécesseurs Malula et Etchou. La figure typique de l'Église catholique, c'est les diocèses. Donc les diocèses, c'est une entité autonome. Donc quand un évêque meurt dans un diocèse, c'est ce diocèse-là qui organise les choses. C'est ce diocèse-là qui enterre l'évêque, son évêque, son pasteur propre. Le gouvernement, par la collaboration que l'Église a avec l'État, par les bonnes relations que nous avons, le gouvernement peut intervenir, peut assister l'Église, mais c'est l'Église elle-même qui enterre son pasteur. L'Église n'est pas un cimetière. On ne peut pas enterrer les corps dans l'Église. Mais il y a une exception pour le Saint-Père, le pape. Peut l'enterrer dans son église, dans sa basilique. Et les évêques diocésains, les cardinaux, dans leurs églises, et même les évêques émérites. Ici, il s'agit des évêques diocésains, parce que tout évêque n'est pas évêque diocésain. Oui. Ce sont les évêques diocésains, c'est-à-dire qui sont préposés à la tête des diocèses, qui vont être enterrés dans leurs églises propres. Alors ça, c'est la loi, ça remonte de la tradition ancienne. Depuis, vous voyez, même la basilique Saint-Pierre a été construite sur la tombe de Saint-Pierre. Les communiqués du secrétaire chancelier de l'archevêché de Kinshasa précisent par ailleurs qu'une messe des célébrations solennelles de l'Eucharistie se tiendra le même mercredi 21 juillet à l'esplanade du Palais du Peuple, peu après les hommages des officiels.